plus notre travail. Et pour continuer à se gaver sans limite, quelle méthode ont-ils employé? Eh bien, ce sont les vieilles recettes du capitalisme débridé qui sont au menu. Vente de filiales, gel des embauches, suppression d'emplois, austérité salariale. En clair, eux se gavent et nous on trinque. Le groupe Total, avec plus de 200 milliards de chiffre d'affaires, plus de 10 milliards d'euros de bénéfices quasiment tous les ans, distribue entre 5 et 7 milliards de dividendes aux actionnaires. En parallèle, on conclut le nombre d'emplois déjà perdus depuis 2010 suite aux restructurations, arrêt d'installation et mise en concurrence avec les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Et la direction du groupe n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle vient encore cette année de nous présenter un scénario catastrophe qu'elle compte appliquer pour le raffinage en France et en Europe. Ce sont encore des centaines d'emplois qui vont disparaître et qui vont profiter aux importations. Ce sont des centaines de familles qui vont voir encore leur vie bouleversée pour satisfaire l'appétit des requins. Alors la CGT, avec les salariés du groupe, dit stop